Bon, j'arrive à Paris. J'arrive à Paris. C'est ça, un de Kema Pagou. Le sac est déjà prêt. Non, le sac est déjà prêt, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de vérifier. Donc, tous ceux qui veulent m'inviter, tous ceux qui veulent bien m'inviter, n'hésitez pas. Tous ceux qui veulent bien m'inviter, n'hésitez pas. Ouais. Ah mon coquel. Dans tous ceux qui veulent bien m'inviter, n'hésitez pas. Donc, je prends le train tout à l'heure. Donc, tous ceux qui veulent l'inviter, n'hésitez pas. Ok. Ok. Donc, Amer Kamer arrive à Pavou. Bon, Amer Kamer arrive à Pago tout à l'heure. Quand on veut les vues, on sait ce qu'on doit juste. Quand on ne veut pas les vues, on sait aussi ce qu'on doit juste. Donc, vous les Facebookers là, bon, je suis aussi sur TikTok en même temps. Parce que là, je suis aussi sur TikTok quand même. Donc, j'arrive à Paris tout à l'heure. Je viens. Vendredi, samedi, dimanche, voilà. J'arrive à Paris tout à l'heure. Donc, pour tous ceux qui ont envie de rencontrer Amer Kamer, n'hésitez pas, vous mettez vos demandes. Et je tiens à vous rappeler qu'on ne rencontre pas Amer Kamer par hasard. Bien évidemment, il y a un cachet, comme d'habitude. J'arrive à Paris tout à l'heure. Julio, quand j'arrive, je te colle. Tant que tu as été hier, c'est pas moi. Quand j'arrive, je te colle. Non, je tiens là. Eki, Tara. Attends, je vais te montrer. Voilà, les valises sont déjà prêtes. Voilà les valises qui sont là, non?
Ouais, les valises, ils sont là. J'arrive à Paris. Oui, à Pago. Bon. Les Facebookers là. Non, zéro paix. Zéro paix. Et vous avez juste ça. Mais est-ce le ta. Il dit que. Tant que compresseur va subir, floor va subir, la maffe du RSA va subir. Ça ne souffle de rien. Je serai du côté de Porte de Versailles. Je serai du côté de Porte de Versailles. Donc pour tout, les gens qui disent soit amer, camer, 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 on t'attend. Je serai là. Oui. Toi aussi. Mais comment on a le même rendez-vous quelque part? Donc, non, je te colle. Ok, Julio, je te colle directement. Ouais, oh, tu as les accréditations à récupérer, il n'y a pas de souci. Tu récupères ma part en même temps. Tu récupères ma part en même temps. Ok, le king de la toile. Oui, la Lyon, merci. Mais la Lyon, il n'y a pas de souci. Tu m'écris en WhatsApp. Tu dis amer, camer, amer, camer. Mais comment t'as. Il n'y a pas de souci, la Lyon. Il n'y a pas de souci, la Lyon. Je fais 3 jours à Paris. Non, pour Facebook, ce n'est pas la Lyon de Mbopi. C'est la Lyon 225. Ce n'est pas la Lyon de Mbopi. Ouais, bonjour, mais là, je serai à Pago. Donc, si tu veux qu'on se nie, je suis là jusqu'à. Lundi. Je suis là jusqu'à lundi. Donc posez toutes vos questions alors. Posez toutes vos questions. Non, comment on a barré Louboutin? Louboutin, Driss. Il faut que tu viennes en formation jamais quand même. Périca, pour venir en formation, charmer quand même. Il était juste, regarde comment un gars t'a barré en public. C'est en train de faire le tour des réseaux. Tu veux draguer un gars? Non. On ne drague pas une femme comme ça. La manière que l'Angala t'a barré, moi j'avais mal. J'avais mal. C'est pas comme ça que je t'ai appris. Je t'ai pas appris ces bases-là. Louboutin, j'ai encore mal jusqu'à maintenant. On dit que regarde alors, amère, amère, voilà tes gens. On dit amère, amère, voilà tes gens. Comment une go peut te barrer comme ça là? Ça faisait mal. Amour, amère. Ouais. Amère. Ouais. Le Boudin, c'est un villageois. S'il n'avait pas les petits dollars, c'est l'Angawada qui l'a sauvé. C'est un villageois. Même quand tu as ses choses, il n'est pas go school, man. Il n'est pas go school. Là, même parce que ses animés. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas go. Regarde le compresseur. Le compresseur n'est pas là à l'école, mais le compresseur a une façon quand même de s'exprimer qui n'est pas. Non, mais pour lui, non, mais c'est ce qu'il dit que pour lui, c'est très, très grave. Voilà. C'est très grave, mon frère. Merde. Il dit que les tatouages ont fait que. Le gars, il dit qu'il a les tatouages de 16 000 euros. L'angadi, que les miens soient des tatouages.
Regarde que regarde mon poignet. Regarde que regarde mon poignet. Regarde mon poignet. Dieu donne l'argent aux gens qui ont un serment. Dieu, c'est vrai, vrai. C'est Dieu qui l'a sauvé. Attends un peu. Catherine et Yom dit que. Attends, Catherine et Yom dit que. Le blocage de compresseur et son silence ont rendu Ngoï Zinzin. On peut devenir folle et malade à cause du blocage et du silence. Et t'as dit, Joss, et t'as dit ceci, je vous avais dit la dernière fois, que tant que le compresseur était pauvre, you know, attendez, je ferme le... Voilà, là il y a mon débris. Je vous avais dit, que tant que le compresseur était pauvre, entre compresseur et floor, c'était une bonne alliance. On vous dit toujours, tant que quelqu'un est pauvre, elle dit que wow, parce que je l'ai vu sortir un fax. Merci, Eyo. Non. Compresseur a une richesse. C'est-à-dire que c'est un conteneur de personnalité. C'est un conteneur de savoir-vivre. La richesse de compresseur est inestimable. La richesse de compresseur, ce n'est pas comme la richesse de Flore, ce n'est pas comme la richesse de Marfo. La richesse de Marfo se trouve entre les cuisses, entre les lasses. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. La richesse de compresseur, maman, c'est dans le comportement, dans l'agencement, dans les... Voilà. Vous le comparez. Voilà votre porc qui est retombé dans les insultes, non? Maintenant, son combat, c'est avec les matés. C'est avec les matés maintenant. C'est-à-dire que, je vous dis quelque chose. Quand tu as le cerveau entre les cuisses, on va créer ma belle. On dit en bas ça. On va créer ma belle. Quand tu as le cerveau entre les cuisses, tu ne peux pas aller nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu dis que quand tu es riche, elle est une richesse de vérité. Compresseur dit, moi, il n'aime pas, donnez-moi. Mais votre flotte, quand on dit, maman a deux avions, elle est dans le RSA. Elle a dit que l'une des plus grandes bloqueuses du Cameroun est dans le RSA. Tara, Katika, la carte a seulement brûlé. Ndiapam, pourquoi il n'était pas encore bloqué? Pourquoi tu n'es pas encore bloqué? Je t'ai bloqué sur TikTok, non? Pourquoi tu n'es pas encore bloqué sur... C'est bizarre. Ah non, il faut que toi, je dois te bloquer. Voilà. Voilà. Mais je suis au travail. Ok. Tu me demandes que je travaille même quand. Attends, je bloque. Bloque Balin Japa. Ok, c'est bon. Mais ce que je fais là, c'est mon travail. Et à Moubou. Quand je dis que. Oh, non, ne comparez jamais compresseur et flore. Compresseur, elle dit qu'elle n'est plus dans le Wakaïs. Elle n'est plus dans la banque d'énergie. Elle est dans l'humanitaire. Mais votre soeur Flo, maman a remplisseuse de salle. Maman a remplisseuse de salle. Maman, tu remplis la salle que. Tu remplis la salle que. Tu as une association. Les autres font la publicité, les autres font le travail. Toi, tu es seulement posé devant. On te donne ta part de tickets de participation. On te dit que voilà ton lot de tickets que toi, tu dois vendre. Voilà le lot de tel. Quand elle a vendu ton lot de tickets. Tu plains encore pourquoi? Jusqu'à les nyampoules, les mboudmans vont se lever pour venir raconter que go, 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 go. Mais les gars, non, ceux de TikTok, vous ne pouvez pas, c'est une mise à jour, c'est une mise à jour. Ceux de TikTok, vous ne pouvez pas maîtriser. Voilà. Ton niveau, c'est maté. Va votre niveau là-bas, incapable de rester quelque part.
Hey, maman a deux avions. Maman a deux avions. Voilà, voilà vos soeurs. La borde déjà a fini leur cerveau. Elles pensent que monter dans l'avion, c'est un synonyme de richesse. Ouais, Camerounais ou le noir. Quand on dit que le noir est bête, idiot, complexé. Ça veut dire que Flo pense que monter dans l'avion, c'est synonyme de richesse. Hein, maman? Tu es encore à ce niveau-là. La richesse, c'est les entrées et les sorties. Les avoirs, les actes, tout ce qui concerne tes avoirs. C'est là qu'on qualifie ta richesse. Mais vous n'allez pas nous dire que dans le royaume des mouches, dans le royaume des mouches, communément appelé la fosse sceptique, virgule, se trouve la mafo du RSA. Point. Ça vous fait pas mal. C'est pas moi. Moi, j'aurais une abaisse, ça allait me faire mal. Tu cherches les vues sur le nom de Flo, espèce de sale bordel. Flo donne les vues. C'est à lui de mettre ça à 200 vues. J'ai le dossier de Brenda Biadan à moi. J'ai le dossier de Chantal Biadan à moi. Ça me donne extrêmement des vues. J'ai le dossier de Martinez Zogodan à moi. Si elle veut les vues, maman, j'ai le dossier de la ligne 94 dans l'armoire. J'ai les comptes offshore de Ngongo dans l'armoire. Si elle veut les vues, maman, je sais où là je vais taper. Quand elle parle du waka perdu, c'est une manière de vous donner ce qu'on appelle, de vous enlever le côté bordénérie, d'entrer un peu dans ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Une bande de vieilles filles ratées. Vous arrivez dans les réseaux sociaux avec le mauvais sang aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut dire merci à Mère Camé. Grâce à Mère Camé, on parle de patriotisme. Grâce à Mère Camé, on parle du 237. Grâce à Mère Camé, nous a forcé à entrer dans la politique. Il nous a parlé d'entrepreneuriat. Il nous a parlé de tout ce qui s'ensuit. Une waka comme toi, on peut parler de quoi au juste. C'est-à-dire que parlons bien. Ah oui, parlons bien. Elle va parler quoi? Anthropologie? Non, elle ne connaît rien dans l'histoire. Entrepreneuriat, elle ne connaît rien dans l'histoire. Elle va parler quoi au juste? Cherche-les. Compresseur est entré dans l'humanitaire, mais dites aussi à Flo d'entrer dans l'humanitaire. Une femme qui manque, une femme qui est capable. Mais vous faites ça comment même? Une femme qui organise une tontine en disant que cotiser ma mère va aller au Cameroun. Les gens cotisent Sokoto. Elle prend l'argent, elle va arranger les seins. Vous appelez ça leader, n'importe quoi, le WC. Le WC. Le royaume des mouches, c'est la fosse sceptique. Le royaume des mouches, c'est la fosse sceptique. Brion de Sani, répète after me. Le royaume des mouches, virgule, c'est la fosse sceptique. Ah, oh, Danny, I love you. I love you. Danny. Voilà. Vous voulez parler de quoi juste? Vous parlez de compresseur, mais parlons de compresseur. C'est une femme au foyer, on a vu. Oh, Danny, oh, I love you. I'll do anything in you, you know. Quand je viens en Italie là-bas, je vais te rendre visite. Dommage, tu étais à Paris, je n'ai pas pu aller parce que j'étais un game. Ah, j'étais un game, il n'y avait plus les lions, il n'y avait plus les... Voilà. Donc, on continue. Donc, deux fois, vous aimez toujours. Amène pas là, le nom des fleurs, on va entendre ça un peu. On ne peut plus rien faire avec ce nom. Bonjour, Marie Lourdes. On ne peut plus rien faire. N'oubliez pas les étoiles, s'il vous plaît. On ne peut plus rien faire avec. Un nom. Elle dit qu'on allait tout faire avec. Son nom, ce n'est que les insultes. Merci. Le nom de Florent, ce n'est que les insultes. Ce n'est que les insultes. À part, aujourd'hui, le nom de Flo est en quoi? Maintenant, il est en guerre avec Maté. Hier, il était en guerre avec Lolo. Avant, il était en guerre avec... Elle était dans les petites guerres. Mais payer une formation, ce n'est pas moi en communication. Ce n'est pas moi en éveil de conscience. C'est moi, je peux... Donnez-moi 1000 euros la semaine. Je ne prends pas beaucoup. Je donne Flo une formation pour être une blogueuse comme ta mère. C'est ce qu'on appelle le gars est puissant. Je peux quitter du Congo, ça, je tombe dans l'entrepreneuriat. Un, on va faire un exemple. Je vais vous montrer la chose qu'on appelle la force d'un blogueur. C'est-à-dire que c'est d'entrer dans tous les panels en même temps.
Premier, maintenant, on tombe dans l'entrepreneuriat maintenant. Règle numéro une, pour devenir riche en Beng, tu n'as pas besoin de Kaoul. Écoutez ça, je vous donne une masterclass, genre, pour devenir riche en Beng, tu n'as pas besoin de Kaoul. Quand tu n'as pas les papiers, tu habites chez ta soeur, tu n'as pas besoin d'avoir les Kaoul pour être riche. Il faut ce qu'on appelle, tu dois d'abord créer le manque. Tu ne peux créer le manque qu'en étant disponible. Tu ne peux créer le manque qu'en contribuant à quelque chose. Ça veut dire que quoi? Maman, tu sais faire la cuisine, tu sais faire les nattes au pays. Là où tu habites, là, le polo où tu habites, dans l'immeuble où tu habites, tu vois un gars. Ouais, maman, je peux te tracer gratuitement, il n'y a pas de souci. Non, je te tresse gratuitement. Je tressais quand j'étais en Afrique. Si tu veux, je te tresse gratuitement. Et toi, tu fais ma promotion. Je te teste gratuitement. Maman, ça te coûte quoi? Rien du tout. Tu as l'argent avec, tu ne fais rien. C'est comme ça que tu testes ta première voisine. Tac, tu finis. Maman, c'est bon. Elle reste là. Elle va dire, maman, la fille, elle tresse. Hein. Maman, elle tresse seulement que. Tu commences les prix. 5 euros. 5 euros. Maman, j'ai dit, non, mais tu mets 10 euros. Que ce soit un message de greffe ou 10 euros. Le plus important pour toi, c'est d'avoir la clientèle. Donc, tu es là pendant que tu vas déposer les enfants à l'école. Tu mets seulement là, toute forme de dress, mettre les perruques, 10 euros. Il ne faut pas vouloir aller à Clianco. On va dire que tu habites peut-être en banlieue. Il va dire, 10 euros. Ma fille, elle met bien elle. Maman, 10 euros. Ouais, ma copine, pardon, mets-moi. Tu es là. Tu joues dans 10 euros pendant au moins 5 mois, 4 mois. Le plus important, c'est de rationaliser ta clientèle. À un moment donné, tu dis, mes chers clients, c'est maintenant 15 euros. Tous les jours, ils sont déjà habitués à toi. Ils ne peuvent pas aller nulle part. Au début, tu auras un client par semaine. Après, tu vas passer à 2 clients par semaine. Après, tu vas te retrouver à 5 clients par semaine. Après, tu vas te retrouver à 5 clients par jour. Hein, Mamisa? Ça veut dire que tu commences à 50 euros. Tu joues dans ça. Pendant 6-7 mois, tu rationalises. Est-ce que tu as besoin de voir la préfecture? Non. Et surtout, règle de base. Je vous en parle ce qu'on appelle l'entrepreneuriat communautaire, le motamotage. Ça veut dire que quoi? Règle de base. Là où tu es là, tu ne parles pas de ta vie. Tu as les kaolo. La vie privée des gens ne t'intéresse pas. Tu es toujours là, toi, tranquille. Tranquillement. Tu fais ton stress là. Pendant 7 mois, tu commences d'abord à 10 euros. Tu joues dans 10 euros pendant 5 mois. Une fois que tu as une bonne clientèle, tu augmentes un peu le price. C'est comme ça que tu fais mal. Tu es en train de te créer un empire. Pendant ce temps, tu ne jongjonges ta situation de kaolo. Aucune de tes clientes ne doit savoir que tu as tes kaolo. Tu n'as pas les kaolo. Tu joues dans ça. Ma. Après, tu commences comment? Comme tu habites chez ta cousine ou bien chez ton cousin. Bam! Ton cousin s'est rendu compte que mais depuis je ne paye plus le. Okay. Je ne paye plus la tomate depuis dans la maison. Parce que c'est quand tu payes là-bas, quand tu tresses, quand il y a peut-être le riz qui manque, tu complètes. Et quand tu complètes le riz à la maison, ne parle pas. Tu ne dis pas que oh il manque le riz. Tu ne parles pas. Quand tu tresses, il y a par exemple le gel qu'on avait les facettes est fini. Tu te mets, tu achètes, tu ne dis pas que tu as acheté. C'est mauvais. Ça ne se fait pas. Peut-être que tu es en train de cuisiner, il manque la tomate. Dans l'argent des tresses, tu enlèves la tomate, tu payes. Il faut que la personne là où tu habites commence à s'en rendre compte. Mais chaque fois que la personne va te laisser, et que le moins, c'est comment se faire que le sac devient encore plein. Tu inter, you go inter, you go inter. Ça veut dire qu'en partant à la base de l'entrepreneuriat communautaire où tu as déjà une bonne clientèle qui te rapporte ton petit 500 euros par mois, dans les 500 euros par mois que ça te rapporte, tu enlèves 250 euros, tu injectes dans là où tu habites pour créer ce qu'on appelle le manque. Parce qu'à un moment donné dans la maison, tu dois être indispensable. Si par exemple tu vas chercher les enfants à l'école, le goûter des enfants, quand tu pars, tu t'arrêtes chez le. À la boulangerie, tu prends les deux kinder. Si tu as trois neveux, tu prends les trois neveux. Quand tu arrives à l'école, tu les distribues kinder. Et tu t'arranges de telle façon que, quand c'est leur propre mère qui vient les chercher, tu t'imagines que quand la tata, quand la cousine vient chercher, les enfants sont contents. Mais quand c'est la véritable mère qui vient chercher les boulangers à l'école, les boulangers vont dire que, c'est comment non? Les enfants, c'est vous-même, ça comment?
Parce que quand la tata vient chercher, il y a les petits biscuits, les petits Kinder, les petits bonbons, un genre, elle les enfants, elle porte même les sacs des enfants, un genre là. On appelle ça le marquage du territoire. En plus que tu rapportes l'argent dans la maison, tu es devenu incontournable. Incontournable. Tu n'as pas les papiers. Tu as un rentré de 500 euros par mois. Tu choisis 250 euros de l'autre côté. Ton Kaolo n'est qu'une question de temps. Ton Kaolo n'est qu'une question de temps. C'est ce qu'on appelle un blogueur compétitif. Je viens de vous associer en un speech. Je viens de vous mélanger la création qu'on est sans Kaolo. Comment être indispensable de 100 euros à la piole? Tu t'en rends compte avec le chemin qu'il vient de te donner là. À la piole, tu deviens indispensable. Indispensable. Quand ton cousin t'amène au foot, tu n'as pas les Kaolo. Tu vois les voitures des gars qui sont dehors là. Un gars dément, même si avec une bombe, soulève un peu ton capot, non. A bougé un peu, m'attends un peu. Tu fais un genre à papa, dis, gars. J'avais un garage au pays. Papa, oui, ok, c'est bon. Bon, ce qu'on va faire, c'est que apporte la bougie la semaine prochaine, quand il y a un match, je vais te changer ça. Il y a bon, ouais, je vais te changer ça. Non, si tu as mis le problème dans la bougie, laisse-moi le gérer. Paye la pièce, tu m'appelles, je te fais ça. C'est comme ça que au foot, tu dépends d'avoir une voiture. Le mois que tu quelqu'un encore ça prend la tour, oh, petit frère, l'embrouillard fait que bon. Ce qu'on va faire, viens, paye la pièce, tu viens. En 2 mois au football, tous les gars qui gardent les voitures à la santé, tu deviens le mécanicien de 22 personnes. Au bout de 3 mois. En vrai. Le mécanicien de 22 personnes. Et voilà la tactique que tu as utilisée. Tu dis au gars que le défi est un job, va faire le défi au garage, tu le sors, tu viens me voir, je te remplace tout ça en job. Comme ça que le gars va dire, oh non, gars, c'est trop cher, non, c'est bon. Gars, je suis là-bas, voilà ce qu'on a donné. Entre temps, tu dis au Joe que, attends d'abord, je vais te faire le diagnostic. Et tu prends ta bougna, le diagnostic est un job, tu pars là-bas, tu fais le diagnostic, on te fait, après tu reviens. Quand le gars va go là-bas, on va dire ce que tu as encore, c'est vrai. Bon. En plus de que tu viens de prendre 22 gars le dimanche. Tu viens de prendre. Ah bon, je connais un gars là, je connais un gars là, ok. Alors, dis-nous, oui, c'est comment, non? Oui, tu es disponible samedi, si vous viens, ok. Petit dépannage, non, c'est combien? Donne-moi ce que tu as. Donne-moi ce que tu as. Voilà comment tous les dimanches, pendant que les gars jouent au foot à Sarcelles, à Aubervilliers, n'importe où, toi, tu es sur leur parking en train de walk. Papa, tu finis, on te pointe un petit Ngoma, on te pointe un petit 70, on te pointe un petit 100. Au fur et à mesure que, pendant ce temps, quand on te paye ton argent, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à payer ton outillage. Tu pars dans les casses, tu prends les outils que les autres ont déjà utilisés. Tu as ton appareil déjà tranquille au calme. Donc, pendant que les gens viennent jouer au foot, toi, tu as ta mallette que tu viens avec. Même si quelqu'un s'avance, tu dis, bon, oui. Tu as fait la vidange quand? Ok. Bon, il faut que je revienne la semaine prochaine, je vais te faire la vidange, tout. Genre. Paye le filtre, paye ses signes, genre. Quand tu vas lui faire ça, genre, son subconscient va lui dire que non, paye-le. Voilà comment on va enlever. En vrai. Voilà c'est comment tu vas passer. Ceux qui n'ont pas les Kaolo. Je parle de ceux qui n'ont pas les Kaolo. Voilà c'est comment bon. Tu as déjà 22 clients au foot. Tu as les familles de 22 clients. Et si tu as bien réparé 6-7 voitures, le taux va augmenter que tous les. Oui, tu as la bombe, kem. C'est comme ça que ça va devenir. C'est-à-dire qu'en semaine, tu es chez les gens en train de voir les bougnas, Est-ce que tu as besoin de Kaolo pour faire ça? Non. Tu as seulement besoin de ton sens. Une fois que c'est comme ça, tu pratiques la même chose. Quand tu arrives souvent chez le Dieu, ce que tu habites, tu lui donnes une habitude. C'est comment, non? Là, je n'ai rien voir aujourd'hui. Voilà, en gros, moi. Tu restes tranquille. Bam! Tu restes tranquille. Ce n'est pas parce que tu payes les roues dans la piole que tu dis que tu payes les roues dans la piole. Quand tu payes les roues dans la piole, tu fermes ta bouche. Tu restes tranquille. Bon, là où tu es là, le gars là va savoir que si le gars se sort de la maison, il se mord en guerre. 1. J'ai un mécanicien à la piole. 2. Il fait les courses. 3. Depuis que le gars là est à la maison, on a pris Beansport, on a pris Netflix, on a pris Prime Video. Il est la technique qui gère tout ça. Depuis que le tour là est là, je suis en train de les cotisations
de ma 200 euros par mois. Depuis que le jour là, un boy est dans la maison, entre temps, il n'a pas les carreaux, mais il a une entrée d'argent au père. Tu veux parler à quoi? Très propre. Le chemin est là. C'est ce qu'on appelle un influenceur, un créateur. Je vous donne le contenu. Allez, dites ça à vos gars que, allez, distribuez ça, c'est job. C'est job. Voilà le schéma qu'on a donné à ceux qui sont mariés, qui sont avec les gars dans le foyer. Voilà. Les gens n'ont pas les carreaux. Donc voilà, que l'homme qui vit avec toi, il te dit que non, il ne peut pas ramener les dos parce que il n'est pas le cas. C'est les conneries. C'est les conneries. Je vais encore vous dire, c'est encore un autre polo. Alors, c'est-à-dire que je suis là pour vous donner. C'est ce qu'on appelle un blogueur qui cherche. Je vous dis encore quelque chose. Ça, c'est pour ceux qui viennent arriver, Mbeng. Quand tu viens d'arriver, Mbeng, la question qu'on te pose souvent, que je répète souvent ici tous les jours, quand on te pose la question que tu connais qui est Mbeng, répondez toujours, je ne connais personne. Effectivement, on ne connaît personne. Bonjour, le camé. Parce que si tu réponds que tu connais quelqu'un, c'est comme ça que tu dis, si par exemple, tu dois faire deux jours, la personne va te faire, tu vas seulement faire sur le une journée. Ah, vrai. Donc, quand quelqu'un te dit que, bon, c'est pas que ça, on refuse beaucoup de gars au téléphone. Pourquoi? Je vous explique. Allô, oui, tonton. Oui, tonton, je suis arrivé. Ah, ok. Hein, tu n'as pas appelé quelqu'un d'autre? Non, j'ai appelé Théo, je connais Théo, je connais Alex. Tu sais que le gars qui avait construit la voiture qui était plus beau que lui. Je connais. Non, non, non. Au fur et à mesure que tu partais, attends, moi, le défaut, ben, bing, c'est fini. Son téléphone ne va plus jamais décrocher quand tu vas appeler. Mais quand la personne t'appelle, oui, mais tu n'as appelé personne, ouais, tonton, à part toi, tu connais encore qui ici. Tu sais que maman, quand il venait, elle m'a dit comment tu es le seul tonton qui a réussi à la famille, non? Ouais, tonton, hé, tonton, le milliardaire. Il sait qu'il est seul. Il sait qu'il peut te mentir n'importe comment. Tu vas souvent accepter. Tu es beaucoup, non? En vrai. Voilà comment au lieu de faire une journée chez lui, tu vas faire deux, trois jours. C'est tout. On vous bat votre mbène le premier jour. Parce que vous parlez toujours. Allô, oui, c'est comment? Oui, tata, je suis à l'aéroport là. Ah, tu n'as pas appelé tata? Non, j'ai appelé tata Sophie, mais elle n'est pas là. Elle me dit que non. Et puis j'ai appelé tonton Thierry, il m'a dit que. C'est-à-dire, en moins de deux minutes au téléphone, tu viens de montrer à la personne qui te bête que tu connais au moins 15 personnes. La première a dit que, ok, comme tu connais les 15 personnes là, go que là-bas, non. Voilà comment vous le trouvez donc à l'aéroport. En train d'attendre comme ça là. Oh, on m'a refusé. Oh, les benguistes sont les mauvais. Oh. Mais vous ne dites jamais ce qui s'est passé. Pourquoi vous refusez au téléphone? Oui, c'est une vérité. Vous ne dites jamais ce qui s'est passé. Parce que vous savez que si vous dites ce qui s'est passé, imaginez-vous Mbeng. Tu as venu chez quelqu'un. Il ne veut pas que sa vie soit dehors. Et en vrai. Je vais vous poser une question. Il a lancé le matelas au sol. Julio, je vais te poser une question. D'après vous, pourquoi Sheila n'a pas accepté le Kouata chez elle? Mais parce qu'elle ne voulait pas que, le Kouata voit les schémas de la loi. Parce que la pauvreté de Sheila empêche le Kouata de voir la véritable réalité. Normal, c'est ça normal. Quand quelqu'un t'empêche de Kem chez lui, ça veut dire qu'il ne veut pas que tu nous. Exactement. Pourquoi alors personne n'a invité le Kouata chez lui? Parce qu'on sait que le Kouata parle trop. Si le Kouata entre chez là, on va lui amener dire que l'Angola n'a qu'une seule pièce. Il va dire ça. Donc, en contre, pour tout dire, qu'est-ce qui se passe? Ou bien, il va voir certains où il va rester tranquille. Le jour où l'Angola va le rendre un peu. Il tape son sol. Il n'a même pas le jeu, il va te ficher en dehors. C'est dit que le jour où il va avoir les matins, le petit. Regarde alors maintenant. Pourquoi si la mère de Jean, pourquoi t'as que vient chez moi? Parce qu'elle est sûre d'elle. Elle sait que j'ai la fiole. J'ai les tas. Voilà, elle sait que je suis sûre. Si c'est pour Nami, il n'y a pas un bébé. C'est la vérité. Donc maintenant, pour les gens qui viennent souvent en Bengla, même pour les anciens Benguis, ne dites jamais que vous connaissez les gens. Si peut-être vous pensez, vous les nouveaux Bengis, vous venez d'arriver en Bengis, si tu pensais qu'en disant que tu connais les gens, c'est à te donner les points, mais ça te pénalise. Je vous ai montré ici tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin de Kaolo pour avoir le travail. Encore quelque chose. Si vous voulez avoir le travail, allez chez les gens qui font les meubles là-bas, Conforama, tout ça, restez là dehors. On va venir vous trouver.
on va venir retrouver. Le travail en Ben, il y a. Mais il n'y a pas le travail en Ben. Si tu restes collé tous les jours sur TikTok, parce que tu regardes la mer quand même, tu n'auras jamais le travail. Si tu restes tous les jours sur Facebook, parce que tu regardes la mer quand même, tu n'auras jamais le travail. Parce que la mer quand même, lui, le work là. Lui, c'est son work. Voilà. Donc maintenant, quand on revient maintenant voir les blogueuses camerounaises, on regarde une blogueuse comme Mafo qui touche le RSA. Ça ne vous pose pas un problème. Une blogueuse qui arnaque ses propres followers. Go, ma mère est malade. Il faut qu'elle envoie au Cameroun. Les gens cotisent l'argent. Oum. Tchoum, et tchoum. Oh, ma mère sort de l'hôpital. On cotise. Oum. Boum, et tchoum. Mais ça fait partie de son business. Bon. Ça n'appelle pas, on n'appelle pas ça. On appelle ça extorsion. Parce que normalement, une femme comme elle, tu appelles un manager. C'est-à-dire un gars comme Amer Kamer, bien quelqu'un qui est dans la branche d'Amer Kamer. Il regarde tout ton CV, il pose au sol. Il analyse que bon, tu peux être productif en faisant telle formation parce que telle formation va te permettre de créer ça, 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 ça. Regarde, je vois Pago. Je fais des cours, regarde, je fais des cours de maintenance, de montage vidéo dans les réseaux. Comment j'ai appris à faire les montages vidéo? J'ai fait les cours dans les réseaux. Comment j'ai appris à monter tout ma web TV? Je fais des cours, je prends des cours comme ça, je cherche. Pour être meilleur. C'est-à-dire que je dois donner la meilleure version de moi-même tous les jours qui passent. Mais on va avoir une d'accord Mafo. N'oublions pas, l'extorsion et l'escroquerie des followers n'abonnent nulle part. Il y a un follower qui peut te dire que écoute, là où on est là, je vais t'engager sur tel ou tel truc. Le follower reste comme ça, il sait que tu dis vrai. Il sait que tu dis vrai. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire que ok, on va t'investir, on va financer. Elle avait une marque de cosmétiques, non? Vous savez pourquoi la marque de Flore est tombée? Il y a une loi dans le business qui dit que 1% de quelque chose vaut mieux que 0% de rien du tout. Dans le business, quitte à avoir un petit quelque chose, que d'avoir zéro. Donc, quand vous venez dans les réseaux sociaux, en tant que blogueuse, vous êtes populaire. Ta popularité te sert à quoi si tu n'as rien? Regardez, la TKC est plus efficace que les abeilles. Plus efficace que les abeilles. Un, compresseur est dans l'humanitaire. Chaque année au Cameroun, elle fait 2 ou 3 sorties. Tout le monde le voit. Tu as déjà vu Flo dans une action humanitaire. Flo, c'est une soirée où on va boire. Je vais vous rappeler quelque chose encore. Où on va briser les dos. Dans le bris, seulement les soirées du bris. Où je vois les dos. L'argent qu'on donne aux artistes, ça ne les mène nulle part. Le cachet de Flo, c'est 500 euros. Tu vas t'habiller. Tu vas te coiffer. Tu enlèves ça dans les 500 euros là. Tu vas te coiffer 100 euros. Tu vas payer ton transport 100 euros. Il te reste combien? 300 euros. Tu fais tes petits trucs avec les ongles, tout ça, la sang, tout dans l'ensemble, ongles, machin, truc. Il te reste combien? Après, il te reste 200 euros. Tu pars à la soirée. Tu manges, tu bois, tu fais tout ce que tu veux là-bas. On te met dans les tables VIP. On te met dans les tables de 4-5 000 euros. Lionel Messi a l'argent. Vous pensez qu'un footballeur peut être plus riche qu'un club? Jamais. Un footballeur ne sera jamais riche plus qu'un club. Si le Real de Madrid a fait signer Mbappé 200 millions, ça veut dire que le Real de Madrid prendrait 3 milliards. N'oubliez jamais ça. Donc, quand on invite Flore avec 500 euros, à la fin de l'événement, elle se retrouve en train de devoir à son banquier moins 200 euros. Mm-hmm. On sait qu'on aurait pu sur elle. Voilà. Parce que le cerveau, quand tu n'as pas le cerveau, est-ce que vous voyez Amer Kamer dans une soirée? Quand je me déplace dans une soirée, soit je viens gratuitement, soit c'est quelqu'un que j'apprécie.
Je ne viens jamais dans une soirée parce que ma bague, je l'ai vu dans une soirée. Dans mon téléphone, c'est chocolat des dames comme ça. Un mec à mon tendu. Pourquoi je ne pars pas aux soirées? Ou dis pourquoi je ne pars pas aux soirées? La personne qui m'invite d'abord, est-ce qu'on a un bon lien? Non. Effectivement. On n'a aucun lien. Donc, c'est la personne, je n'ai aucun lien avec toi. Un mec, quand tu viens à ma soirée, où il n'y a pas de souci, tu veux combien? 3000 euros. 3000 euros, tu me payes les habits. Tu me payes mon sens. C'est-à-dire que quand elle va te sortir la facture, ça va donner 5000 euros. Quand je dépends quelqu'un sur la toile, ça me rapporte les millions. Les millions. Les gens que je défends sur la toile, ce sont les personnalités. Je vais défendre deux ou trois. Mais le plus important, c'est que je vais garder le carnet d'adresse qui peut m'être utile demain ou après-demain. Bon, maintenant, quand tu as invité une femme comme Flore dans une soirée où tu payes 500 euros, le reste est payé, quand elle finit la soirée, elle se retrouve en train de dormir chez une de ses copines. Elle se retrouve en train de checker encore son propre argent. Résultat des courses, ça n'a rapporté rien. Parce que vous voulez imiter les Américains. C'est comme les organisateurs des soirées. Ceux qui organisent les soirées, c'est les artistes qui partent avec le bénéfice. Ce sont les artistes qui partent avec le bénéfice. Vous faites ça comment? Utilisez votre cerveau. Les artistes qu'on invite là, on les paye combien? On les donne 1500, 1000 euros, 2000 comme cachet. Maintenant, ce qui peut rentabiliser un artiste, c'est quand l'organisateur de la soirée prend en charge les vêtements, son billet de transport aller-retour, le choco, il faut qu'il y ait beaucoup de farouteurs. Ça veut dire que quand la soirée finit, le gars rentre avec un colo. On va prendre les blogueuses maintenant. Les blogueuses de tout le monde, on invite Flore une fois tous les trois mois. Le reste du temps, elle doit faire quoi? Le reste du temps, il faut bien qu'elle mange. Elle va se retrouver encore en train de faire la prostitution. Elles ne font pas la prostitution parce qu'elles veulent, non, parce qu'elles sont feignantes. Parce que l'argent que la prostitution te donne, on va compter 50 euros par coup. Maintenant, en une journée, tu peux avoir 10 clients. Ou bien tu peux avoir, bon, minimum 5 clients. Donc, tu peux avoir 250 euros. Tu enlèves que tu vas bailler le polo. Donc, en gros, la journée va te coûter 150 euros. Ou 200. Tu penses qu'une femme qui est habituée à ça va se lever, va aller travailler pour 1500 euros? Non, elle ne peut pas. Non, jamais, jamais. Une Waka ne va jamais travailler. Même c'est très difficile. Une Waka ne va jamais travailler pour même 2000 euros par mois. Parce qu'elle est habituée à l'argent facile. Elle est habituée tellement à l'argent facile que c'est impossible pour elle de travailler pour ça. Mais quand tu as parlé comme ça, on va te dire Congo, Amer, non, je dis les vérités. C'est une réalité. Donc quand vous allez Flore en train de se pavaner de gauche à droite, vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'elles ne peuvent pas créer des business qui vont les blanchir, parce qu'elles ne veulent pas tomber d'abord avant de monter. C'est la différence. Moi, quand je suis avec Julio, est-ce que non, ça entend, il dit Julio, il n'est pas payé. Il ne paye pas parce que non, il paye parce que non, la mère quand même c'est mon comptable. Donc on n'est pas compliqué. On se met là, on prend notre, on reste là tranquille. Et tant mon diabolo manque. Julio sait que mon prix ne coûte pas beaucoup. Si c'est trop cher, c'est 3 euros. Donc ce n'est pas que Julio va se dire que oh, la mère quand même boit beaucoup. Non. Moi, mon tarif, c'est 3 euros. Je prends moi mon diabolo manque, mon diabolo fraise. Je reste moi tranquille. Là. Je ne bois pas l'alcool. D'abord, la mère quand même en question de jonc, c'est le moins cher. C'est des réalités. Donc, on ne peut pas être blogueuse, montrer aux gens qu'on est riche, et pourtant que la vérité, c'est qu'on est pauvre. Regardez Coach Amon. Coach Amon est arrivé hier. Elle est venue là. Coach Amon était dans les lives de Flore. Elle likait, elle poussait, elle commentait dans les lives de Flore comme ça. Là, que, oh là, elle pleurait même que fais-moi monter. Aujourd'hui, tu peux comparer Coach Amon et Flore. Ça n'a rien à voir. Parce que Coach Amon a préféré entrer dans un couloir qui est positif. C'est tout. Flore a préféré rester dans le piment. Alors, ils ne volent pas dans la même catégorie. Quel est le ministre qui peut recevoir Flore au Cameroun? Aucun.
Aucun. Parce que l'image qu'elle incarne, c'est la prostitution, c'est les insultes, c'est tout ça là. Qu'on peut s'en aller de gommer la même image via ces associations caritatives. Et c'est ça la différence. Salut, oh, Élise Bata, mon goût, mon vrai goût. La femme, c'est joli, mais en vrai, c'est pas possible. Donc voilà, ne tournons pas autour du pot. Qu'est-ce que Flore peut faire? Flore ne peut rien faire après le wakaïsme. Elle est condamnée. Parce que quand tu vis dans le mensonge, ça c'est important aussi de dire ça, quand tu vis dans le mensonge, c'est compliqué. Quand tu vis dans le mensonge, c'est compliqué d'être vrai. C'est compliqué. C'est comme du Cambindo. Tellement on s'est moqué de lui, qu'il ne sait pas conduire, il allait louer une voiture d'auto-école. Il va aller voir, il était en train. Elle dit que le coup de du Cambindo était entré. Oh, il sait l'auto-école. Il a compris que ce n'était pas pareil. Parce que les gens comme le du Cambindo, son niveau, c'est comme si du Cambindo, c'est comme un rappeur qui était à l'époque de Magnétoscope. À l'époque de quand on tournait la cassette comme ça, on pensait que les rappeurs étaient forts. Quand la nouvelle version est arrivée, quand on a modernisé les studios d'enregistrement. Mais je vais vous dire, je vais prendre le cas de du Cambindo. Quand j'avais mon studio d'enregistrement, du Cambindo me dit qu'il chante. Je dis, viens chez moi. Je te produis. Pendant 3 ans, j'ai dit à du Cambindo que je tiens. Du Cambindo a fui. Vous savez pourquoi il a fui? C'est là où j'ai compris que sa chanson qui dit qu'il avait chanté là. Sa chanson qui dit qu'il avait chanté là. C'est là où j'ai compris que ce n'est pas lui qui avait écrit ça. Et c'est là où j'ai compris qu'il avait honte. Comment tu peux avoir un ami comme un mec à main qui est sur l'enregistrement? Je dis à du Cambindo que voilà le sur l'enregistrement. J'ai l'ingénieur son qui est là. Viens, il y a tout. Tu dors sur place, tu composes. Tu viens le vendredi, on te sort un single, un album. Elle dit qu'il sort un, on sort le clip en même temps. Pour essayer d'être sur place. Il a fait quoi? Il a fui. Pourquoi? Parce que du Cambindo vit dans le mensonge. Voilà les gens que quand ils voient ce que Compressor fait, la jalousie peut le quitter. Voilà là où il y a l'efficacité entre le bureau de Mafo, c'est le WC. Le royaume des mouches, c'est le WC. On ne peut rien faire. On peut aux toilettes quand on veut moto. À part ça, là, on ne peut rien faire. Donc le royaume des mouches, c'est le WC. Vous n'avez pas comparé avec Compressor. Vous n'avez pas comparé. Compressor dit ouvertement que moi, je n'ai pas. Compressor dit ouvertement, moi, je n'ai pas. Aidez-moi. Et on aide Compressor, on voit comment elle aussi part en prison donner les dons. Pourquoi Mafo ne peut pas copier? Vous savez pourquoi? Parce que la honte. Que les gens vont dire que, oh, tu as copié Compressor. Il y a la place pour tout le monde. Je vais encore vous dire encore, là où la bêtise persiste, je vais encore vous dire, quand vous marchez avec quelqu'un qui est jaloux de ton bonheur, c'est pas à toi de lui tout de suite. C'est pas à toi de lui tout de suite. Qu'est-ce qui a fait la faiblesse de Mafo? Elle a cru que les petites invitations qu'on invite là, c'était important. À un moment donné, elle s'est sentie aller dans les invitations. On t'invite en Amérique pour boire le vin. On t'invite à New York pour boire le vin. On t'invite à pour boire le vin. Tu gagnes quoi? Zéro. Pourquoi? Parce que comme les mouches sont tellement bêtes, ils confondent richesse et billets d'avion. Parce que pour les mouches, quand on t'a donné un pays, un billet d'avion, c'est que tu as l'argent. C'est faux. C'est faux. La reine des mouches rentrait plus pauvre des États-Unis que comme elle était partie. Ça sert à quoi d'aller boire le vin quelque part et rentrer avec 0 € dans la poche? Ça sert à quoi? À rien du tout. À rien. Vaut mieux rester comme un mec à main.
J'ai mes boîtes de conserve là. Ça ne souffle de rien. Ça ne souffle de rien. Quand on bloque mes pages, qu'ils enlèvent la monétisation, je continue avec les boîtes de conserve en attendant qu'on remette la monétisation. Tout simplement. Vous avez vu que maintenant, je suis sur une autre page parce qu'ils ont bloqué. Ils ont bloqué la première page. Donc, vous voyez que je suis sur cette page-ci. Donc, les deux comptes, le compte TikTok-ci est bloqué. Et la page Facebook, l'ancienne page Facebook est bloquée. La page où il y avait 350 000 abonnés est bloquée. Ça, c'est une autre page Facebook. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que nous avons une blogueuse qui a désorienté la jeunesse camerounaise en faisant croire que le blog camerounais, c'est les insultes, c'est X et Y. Voilà. Donc, à un moment donné, virgule, n'ayons pas honte. Un blogueur, c'est un haut-parleur de la société. C'est un haut-parleur de la société. Mais, bloquez-moi alors, attends, ici, mais bloquez-moi alors, machin truc là. L'or, machin mouche là. C'est un de mes modos qui est là. Mes modos ne sont pas là. Dani, tu commences à trop fréquenter mes lives. Je mets comme modo les gens qui fréquentent beaucoup mes lives et les gens qui donnent les cadeaux. Et Flor qui est là. Salut Flor qui, comment ça va? Il n'y a aucun de mes modos qui est là. Je n'aime pas bloquer les gens moi-même. J'aime qu'on les descende vite. Voilà. Ok. Donc vous voyez un peu. C'est très important parce que les gens viennent, tu vois, tu te. Flore dépasse Compresseur. Non, Flore ne dépasse pas Compresseur. Flore, c'est l'une des blogueuses les plus bêtes de l'histoire du blog. Créer une marque de cosmétiques et tuer sa propre marque de cosmétiques parce qu'on ne veut pas X, parce qu'on ne veut pas Y. C'est ça la vérité. Où se trouve la société FDL? Parlons peu, parlons vrai. Parce que vous n'avez pas le cerveau de créer. Vous n'avez pas le cerveau. Flo n'est pas compatible. Le nom de Flo dans une marque de vêtements, dans une marque de quelque chose, ça tue. Regardez la moyenne d'âge des mouches. 50 ans, 60 ans. La moyenne d'âge des mouches, ce sont les anciennes femmes dépressives qui viennent seulement là pour insulter. La preuve, quand Flo n'insulte pas, elle chute. Elle se retrouve à un niveau aujourd'hui avec Marty. Elle se retrouve à un niveau avec Marty aujourd'hui. Voilà. Et c'est minable. C'est minable. Qu'est-ce que Flore a? Au Cameroun, hypothéqué. En France, en location. Quand on regarde ses pages, on voit qu'elle est suivie par des centaines de milliers de personnes. Mais parce que tous ceux qui suivent Flore ont une valeur zéro. Zéro fois zéro, zéro. Alors, elle va créer quoi? Rien. Qu'est-ce qu'elle peut créer? Le seul qui peut nous surprendre, c'est si on nous dit que non, Flore est en train de faire quelque chose, ça surprend tout le monde. Elle ne peut rien créer parce que son fonds de commerce, c'est dans les beuveries. Elle, on l'invite seulement et les autres mangent l'argent derrière. Voilà une soirée. Pour qu'elle touche l'argent dans les soirées, il faut qu'elle vende les places. Et elle a le pourcentage dans ses ventes de places. Mais on savons tous que ce n'est pas Flore qui organise cette soirée, tout simplement. Et je vous modifie que ce n'est pas Flore qui organise cette soirée. Vous le savez tous. C'est son niveau là-bas. Jusqu'à va prendre le nom, maman a rempli ce de ça. Tu remplis quoi? Tu remplis quoi? Rien. Voilà. Ben, je vais te répondre. Perla, bonjour voisin. Je vais te répondre, Perla. Je vais te dire quelque chose. Ne prends pas mal ce que je vais te dire. Ne prends pas mal ce que je vais te dire. Tu parles de monétisation. Flo a quelle audience? L'audience de Flo n'apporte pas la monétisation parce que ses pages ne sont pas monétisées. Full stop.
Maintenant, quand on parle de créativité, les blogueurs les plus créatifs dans les réseaux sociaux, on va te parler d'Amer Kamer. Instinct de créativité hors pair. J'ai pas besoin de préparer quelque chose. Je viens de vous donner un cours tout à l'heure en démonstration de force. Comment est-ce qu'on peut être sans papier, avoir les dos? Normalement, ça, c'est des masterclass qu'on paye en formation. C'est-à-dire, je donne une formation pour les sans papier. La formation, c'est 500 euros. Et minimum 10 personnes dans le. Mon cerveau, là. C'est la pâte. C'est la pâte. Je donne des bouleversements et de tourner au Camerounais, au gouvernement camerounais. Merci, Mario. Quand j'ai commencé à dire que j'étais au président, à la fin, quand il s'est passé, le gouvernement a obligé de décrire la lettre comme quoi il ne veut pas être président. Quand il a tiré sur Paul Biya, qu'est-ce qu'on a fait? Le maire du foot a écrit la lettre que celui qui insulte Paul Biya, désormais sera interdit dans Yaoundé. Il s'adresse à Amer Kamer. Quand il frappe, ça fait très mal. Je ne suis pas dans la dentelle. Donc laisse-moi tabasser ma foi comme il se doit. Voilà. Quand vous avez des blogueuses dans le fond de commerce qui se trouvent entre les puisses, vous allez faire quoi de bon? Vous allez faire quoi de bon? Avoir une blogueuse qui a le fond de commerce entre les puisses, ça produit quoi dans la société? Zéro. Je dis bien zéro. On veut des blogueuses créatives. Des blogueuses qui vont nous parler d'entrepreneuriat. Des blogueuses qui vont nous parler de management dans le Congo. Ça. Thank you, thank you, thank you, thank you. Merci Vanessa. On veut ça. Regardez l'association qu'il y a eu entre Compressor et la Reine des Mouches. Tant que Compressor était en bas, ça, l'association allait. Le jour où Compressor se met passé en haut, bim, les problèmes ont commencé. Et Flo est tellement bête. Et Flo est tellement bête. Compressor vient de signer avec Brutal Bossman, tu attends quoi? Tu prends ton téléphone. Compressor, ouais, j'ai appris que tu as signé avec Brutal Bossman. Tu m'as ma place. Non? Ouais, tu m'as ma place. Non? C'est comment Kota? Kota, c'est comment? Je ne suis pas sûr que les Bamileke. Oh, yo, Mamisa, tu trouves 100 francs par terre. Parce que tu as 200 dans la bouche, tu laisses les 100 francs là. Ma calcul, ma plan, je lance le calcul, lance le plan, je lance le calcul, lance le plan, ma calcul, ma plan. Quand Compressor a signé avec Luther Boss, la moindre des choses, là où tu allais taper le jackpot, floor bête, 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 il fallait venir quand Luther Boss était à Paris. Tu venais, tu allais trouver la reine Mébio sur place, tu allais trouver Patricia sur place. Tu dois être la plus grosse gagnante de ça. Mais ce n'est même pas Floquet, ce n'est même pas Compressor qui a gagné la soirée de Brutal Boss. La gagnante de la soirée de Brutal Boss, c'était la reine Mébio. C'était la reine Mébio. Regarde. Pourquoi? Parce que ça a encore démontré que la reine Mébio, c'est du propre. Ça a encore démontré que la reine Mébio. C'est-à-dire que la soirée où on était à Paris, la soirée de Brutal Boss à Paris, où il y avait Patricia, Compressor, la reine Mébio et Brutal. Flo, tu es tellement idiote. Tu venais là-bas, c'est toi qui rappelais. C'est toi qui rappelais toute la Starmaya là. C'est toi qui rappelais. Mais comme tu es toujours comme le WC, à côté des toilettes, et les mouches sont tout autour. Durée de vie d'une mouche. 24 heures. Donc tu vois comment tu étais tellement bête. La soirée de Paris a fait quoi? La soirée de Paris a fait que la reine Mébio est sortie. La reine de la propriété. Elle a confirmé son nom, la reine Mébio. C'était le jour où j'ai rencontré la reine Mébio pour la première fois. Et ça a fait quoi? À Nantes encore, elle était là. La différence entre toi et la reine Mébio, les déplacements de la reine Mébio créent ce qu'on appelle des ramifications entrepreneuriales. Compartiment à toi. Regarde tout ce qui gravite autour de toi. Ce ne sont que les anciennes pimentières. Ce ne sont que les anciennes pimentières.
Le piment de 50 euros, on n'appelle pas ça le piment. Le piment de 50 euros s'appelle le poivron. Répétez après moi, répétez après moi. Le piment de 50 euros s'appelle le poivron. Le piment n'est pas 50 euros. Le piment, c'est à partir de 1000 euros en montant. En dessous, c'est le poivron. En dessous, c'est le poivron. Donc, toutes ces petites poivronneuses-là, arrêtez de dire que vous vendez le piment. Vous vendez quel piment? Pas même pas le poivron rouge, poivron vert. André, toi, tu as encore dit que poivron vert. Vous parlez de quoi? Le niveau intellectuel de Flore est bloqué. Maintenant, il faut qu'on conduise la sagesse du village. Quand tu as un niveau intellectuel bloqué, marche avec les gens qui t'ont été à l'école. Quand vous regardez les capacités à capter de Flore de l'air intellectuellement, vous pensez que la société est tombée. Pourquoi? La société est tombée parce qu'elle pensait que le nom Flore de l'île pouvait faire quelque chose. Mais elle s'est rendue compte que dans le milieu de l'entrepreneuriat, le nom, on dégage sans touche. La preuve aujourd'hui, où est passé l'Empire FTL? Dans l'eau. Mais qui verse la pluie là-dessus? Merde. Attends un peu, j'ai fait ça là. Il y a la pluie. Hey, quand tu fais ça, la pluie tombe. Ah ouais. Ok, ça n'a fait pas pourquoi. Quand tu fais ça, la pluie. Non, c'est sur Facebook là-bas. À un moment donné, la pluie passait. Bon. Les autres ont souvent ça. Merde. Il y a les évolutions sur Facebook. On dort sur TikTok. Voilà encore. Voilà les mêmes gens avant Ndolo Moulema. Voilà la même bande. Voilà la même bande, les Ndolo Moulema. Elles sont là. Ah mais ta mère, je vais te parler. Ton enregistrement est la combien? Je vais écouter ton enregistrement à compresseur. La même bande de Ndolo Moulema. Elles sont là. Amen, Kamen, je vais te parler de Flore. Arrr, quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà comment ils sont. Ndolo Moulema m'appelle. Alors oui, Amen, Kamen, tu sais que Flore ne sait pas, tu sais que Compresseur ne sait pas lire. J'ai déjà tout fait. Et je ne comprends même pas. Compresseur va prendre ses yeux. Pendant 2 heures de temps, la première fois que je parle avec Ndolo Moulema, 2 heures de temps, heureusement qu'il était sur l'enregistrement. Il était seulement là. Mm-hmm. Non, tu as raison. Oui, oui, tu as raison. Maman, tu as fait comment? Oui. Mm-hmm. Mais évidemment, évidemment, moi, monsieur, tu vas seulement arracher le mot dans la bouche. Je vais vous dire comment on fait marcher quelqu'un quand il parle mal d'une personne. Allô? Oh, compresseur sur ça. Maman, hey, je te dis. C'est que moi, tu vas seulement arracher le mot dans la bouche. Je dis que tu vas seulement arracher le mot dans la bouche. Ce que tu dis là, c'est même ce qui est. Et je te dis, ma quoi, tu es? Ah, oui. Ah, bon, ouais. Moi, je dois que. Hey, maman, parle. Hein? Ah, oui, mais. C'est comme ça que tu parles. Tu fais parler. À la fin de la conversation, tu n'auras rien dit. C'est comme ça que je parlais avec Ndolo Moulema. Alors oui, tu sais que je suis dans le piment, non? Ah, oui, maman, là, je ne vais même pas tu vas être visé parce que. Ah, oui, ah, ok. Mais tout le monde, maman, et puis qui ne prend pas le piment. Quand Ndolo Moulema me disait que tu sais que je suis dans le piment, il dit que tu n'es pas dans le piment, même moi, je suis dans ça. Tu rassures d'avoir le congosseur que ce que tu fais là, même moi, je suis dedans. Comme ça, avec le congosseur se sent maintenant dans les bye-bye. Et c'est ça, ça veut dire que dans l'art congossatique, il y a une technique pour faire parler. Quand on t'appelle, et je vais dire, erreur numéro 1, n'en jamais fait. Si on t'appelle pour mal parler de quelqu'un, ne dis jamais non. Allô? Maman, je vais même t'appeler. C'est parce qu'elle n'avait pas ton numéro. Oui, tu as raison. Okay. Mais tu suis avec moi. Mais si tu étais avec toi, tu as vu. Voilà. Oh, Oui. Mais j'ai dit ça à l'autre, non, ça coupe. Tu connais sa coupe, mais j'ai parlé avec sa coupe là. Oui. Oui. Mm-hmm. En gros, tu pars, mais tu dis rien. Hé, Louboutin là, Louboutin, mon. Le plus laid designer de TikTok. Non, il y a Louboutin qui est là. On l'a barré, le feu sort. Louboutin, mon, après, elle était gérée après. Ne t'inquiète pas. Donc, bonjour.
aujourd'hui en main entre Lyon et Paris, quelle est la probabilité de... Ouais, entre Lyon et Agueza. Peut-être qu'ils ont écrit ça en amont là-bas. Récris un peu ta question, je n'ai pas vu. Entre Lyon et Paris, quelles sont les probabilités de travers? Bon, j'ai écrit ta question. Donc, vous voyez, donc, quand Ndolo Moulema m'appelle donc, au téléphone, maman, Ndolo Moulema m'a écrasé Flo. Ndolo Moulema m'a raconté comment elle s'est la modèle, comment il faut souvent qu'elle dise à compresseur de faire ceci. Ndolo Moulema m'a versé compresseur. Ici, j'ai dit, ya. En même temps, elle avait compresseur tous les jours. Si Ndolo Moulema a le courage de mal parler de compresseur à main, quand même, c'est là que j'ai dit qu'un. C'est là que j'ai dit qu'un. Même le diable est aux entraînements ici dehors. Il dit que même le diable, hein, mes enfants, ma vie, c'est comment? Même le diable est aux entraînements. Que tu ne connais personne, ni d'Adam, ni d'elle. Mais ta meilleure copine avec qui tu as toujours traîné. Ndolo Moulema, tu me connais d'où? C'est parce que tu es monté là que je parle de toi. Si tu ne montais pas là, il n'allait pas parler de toi. Moi, c'est quand quelqu'un monte sur mon panier que je tape cette sur lui. Ndolo Moulema, dis-moi un peu. Tu me connaissais d'où pour vendre comme ça à ce niveau-là? Tu me connaissais d'où? C'est comme ça qu'on vous taille ici dehors. Tu vois? Tu t'es mis en difficulté toi-même. Parce que c'est, et vous êtes, c'est toujours les femmes de 50 ans. Oui, moi c'est quand il veut faire ma page, il veut faire ma page pour être star. Compresseur s'énerve parce que Compresseur ne veut pas qu'il veut seulement que ça aide, il va vraiment prendre tout l'argent là. Il reste comme ça, il dit Ndolo Moulema, tu es aussi devenu star, mais il fallait nous dire non. Voilà pourquoi elles ont rôle pour aller se verser chez Messan là-bas. Tout le monde chez Messan, le premier supporter de Messan. D'après vous, c'est qui? C'était la reine des mouches. Le premier supporter de Messan, c'était qui? C'était la reine des mouches. Ouais, ouais, il y a peu, oui, oui. Mais alors, vous oubliez que quand on a agressé, quand on a payé, quand Messan a payé l'argent pour qu'on agresse, elle avait sa main. Qui est venu supporter Messan? C'est Flore. C'est pourquoi? Parce qu'elle se rappelle que elle voulait prendre l'affaire de Messan en espérant que c'est faux pour pouvoir se dire. Comment elle veut dire? S'innocenter, si on peut dire ça. Pour pouvoir s'innocenter dans son affaire elle-même. Elle allait entrer derrière Messan. Quand elle s'est rendue compte que même la baronne dis à Flore que tu manques. Les gars ont, j'ai eu les gars au téléphone. Ils ont dit que avec les audios, Flore maintient que c'est faux. Vous voyez à quel point. Ça dit donc que dans la relation, c'est Compresseur qui a toujours été vrai. Et comme on dit toujours, la vérité finit par triompher. La vérité finit par triompher. Résultat des courses aujourd'hui. Qui pleure aujourd'hui? Les pleurs de fleurs ont commencé, les pleurs de la reine des mouches, Mafou, la reine des mouches, les pleurs de la reine des mouches ont commencé le jour où Compresseur a signé avec Gluta. Elle a tellement négligé ça. Voilà pourquoi je vous dis toujours, faites le bon travail. Si quelqu'un vient te voir, te dit que aide-moi à faire la promotion de mon business, il faut l'aider. Ne fais pas comme les gens font, tu vends la chèvre, tu arrêtes d'accord. Si quelqu'un vient, moi je vais vous prendre un exemple. Quand quelqu'un vient me voir pour me dire que Amel Kamel, fais moi la promotion de ma musique, je dis ok, ça va te coûter tant. La personne me dit que oh, Amel Kamel, c'est trop cher. Je dis dégage. Pourquoi? Et que tous les chefs d'entreprise écoutent ce que je vais dire. C'est important pour vous, vous les chefs d'entreprise. Prendre, oh mon amour petit piment,
Petit Piment, mon combat. Petit Piment. Oh, Adouf. Bon, ma comme elle dit. Comme elle dit Petit Piment, mon amour, il sent qu'elle va bien dormir ce soir. Tango, au courant que tu me yamou. Non, c'est sur TikTok, c'est sur TikTok. Ce que je vais dire là, c'est à tous les chefs d'entreprise. À tous ces chefs d'entreprise. Quand vous contactez un blogueur, c'est sûr, on appelle ça une masterclass que je vais vous donner aussi. Quand vous contactez un blogueur, ne dites jamais, c'est trop cher. Dis, maman, pardon, mon argent ne suffit pas. C'est pas pareil. Ne dites jamais à quelqu'un, tu es trop cher. Dites toujours, maman, pardon, mon argent ne suffit pas. Celui qui a dit, mon argent ne suffit pas, a plus de chance. Maintenant, dans l'organigramme de travail, ne confondez jamais mettre la fiche de quelqu'un. C'est se débarrasser de la personne. Quand quelqu'un vient te voir, cherche d'abord à connaître le produit de la personne. Les composants de ce produit. Le blogueur que tu contactes doit chercher à connaître ça. Je peux parler de Glutaboss en 2 minutes. C'est simple. Comment il peut faire la pub de Glutaboss? C'est en même pas. La pub de Glutaboss en 10 secondes. Merci. Allez regarder les vidéos de Messan quand il était avec la Gluta. Vous regardez les vidéos de Messan maintenant. Fin de l'histoire. C'est là, fini. La pub a volé. C'est là. C'est la pub est volée. Allez regarder les vidéos de Messan quand il était avec la Gluta. Allez regarder les vidéos là. Regardez son visage. Vous regardez maintenant les vidéos de Messan. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus Gluta. Le tchaka est là dedans. Il y a compliqué. Non, je parle en tant que connaisseur. Oshiga qui prend même Gluta. C'est un malin bon. Regardez même Oshiga qui prend Gluta. Mais oui. Est-ce que j'ai besoin de tourner de midi à 14h pour savoir si le produit de Gluta est bon? Mais ça, avant Gluta avait un visage qui était quand même plus. Aujourd'hui même, ma maman poigne, elle a le mourou. Ma maman poigne, elle a eu la vie. C'est la fin de quelqu'un. Pardon, il a deuil. On ne sait pas maintenant. Quand vous mentez sur vos âges, on ne sait pas si c'est son petit frère qui l'a perdu ou si c'est son grand frère qui l'a perdu. Quand vous coupez l'âge, maintenant vous dites qu'il est mort, ça devient un problème. Parce que vous savez que si vous allez dire que c'est le petit frère, il est qui? Comment ça, c'est son petit frère? Tu n'as pas dit que tu as 50 ans. Donc ton petit frère qui a 58 ans. Hey. C'est vrai, allez alors maintenant. Zao, Zao, salut Zao. Tu viens de te réveiller, tu as dormi avec qui non? Oui, merci, mais on écrit good life. C'est comme ça qu'on fait la promotion. Quand vous voyez un blogueur ou un influenceur, demandez-lui d'abord. Il doit d'abord connaître ton produit. Il doit le connaître. Sinon, tu payes pourquoi? Et je vois encore, quand tu sens que celui qui est venu te voir peut aussi parler bien de son produit, donne la visibilité. Comme ce que Compressor a fait de Gluta. Gluta aujourd'hui, c'est une blogueuse. C'est une chef d'entreprise blogueuse. Parce que, à force de voir comment Compressor a fait, maintenant, elle n'a vraiment plus besoin. C'est ce qu'on appelle aidons-nous à se lever. Aidons-nous à se lever. Oh, mon goût, mon cœur, d'aller chaud. Comment se fait-il que toi, Daniel Choco, tu n'es pas monté chez moi? C'est incroyable. Ma femme ne peut pas être chez moi. Quand même. Okay. Quand même. Attends, j'enlève. On me demande d'enlever un moto. Attends, j'enlève quelqu'un. Okay. Toi, il va enlever. Attends, comme tu m'avais même demandé d'enlever Kimberly comme moto là. Daniel Choco, comme tu m'as demandé d'enlever Kimberly comme moto là. C'est ce qu'il m'avait même fait. Tu m'avais demandé d'enlever Kimberly comme moto. Tu m'avais enlevé Kimberly comme moto comme ça, il t'aimait. Comme ça, tu ne vas pas dire que... Ok... Attends... Voilà, ajouter comme Modo, voilà. Voilà, comme tu m'as demandé, j'ai enlevé Kimberly comme Modo, il était remplacé. J'ai mis ça par toi, Dani Choco.
On va encore dire Kamel quand même. Non, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Donc c'est important. Hey, Dani Choker Moto. Hey, pas là encore mal. Si elle m'appelle, je lui dis ça. Comment je suis pas obligé de dire ça? Ok. C'est pour mon prochain Congo, ça, non? Donc, je continue. Donc, vous voyez donc que quand vous voyez compresseur et gluta, c'est ce qu'on appelle j'aide de ma soeur à s'élever. Ça ne peut être que productif. Quelqu'un ne peut pas venir vous voir pour que vous lui fassiez la publicité de quelque chose. Votre problème, c'est de l'escroquer. Un blogueur qui est dans l'escroquerie est un blogueur qui n'a pas de concept. Est un blogueur qui n'a pas de concept. Moi, j'ai des gens ici sur TikTok. À force, quand ils marchent avec moi, ils voient le changement. Je vais prendre le Parigo, je vais prendre Yann. Maintenant, quand le Parigo est en live, c'est minimum 200-300 personnes. Je m'en vais dans son live. Je donne la force au live de Parigo parce qu'il a les atouts pour être un blogueur. Il faut seulement lister encore deux ou trois trucs. C'est pareil pour Yann. Il faut les lister deux ou trois trucs. Une fois qu'ils vont lister ça, ça sera des bons blogueurs. Voilà pourquoi quand ils sont en live, je monte. Je vois un peu comment il oriente. Parigo oriente très bien. Il y a un bon style que non. Mais le seul truc de Parigo, c'est qu'il faut qu'il prenne une définition, une ligne directionnelle. Et c'est tout. Et c'est tout. Pourquoi? Parce que quand il côtoie Amerika, il voit un peu comment Amerika fait. Il part, il modifie comment il fait. Quand quelqu'un est bon, je dis qu'il est bon. Tu as Parigo, tu as AC, tu as Yann, ils s'en sortent facilement. Parce qu'ils maîtrisent exactement ce qu'on appelle la communication. Maintenant, il faut maintenant autre chose maintenant qui fait que les gens se lèvent. Pardon, tapons un peu la wakasi, pardon. Donc, c'est ça. Allô. Bonjour, Céline. Cécile. Cécile. Ok, on fait un match. Allez, on fait. Ok. Elle est jolie, hein. C'est une jolie femme. C'est gentil, merci. Tu es marocaine. Tu as l'accent marocain. Ah non, non, je suis belge-italienne. Asafoula. Tu sais que moi je suis camerounais. Tu vois, moi, je suis camerounais. Je cherche une troisième femme. C'est mieux d'être la troisième, parce que comme ça, au moins, on ne nous casse pas trop la tête, quoi. Voilà, parce que comme les deux autres, parce qu'on peut faire même cinq enfants. On peut même faire cinq enfants. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, après, attends, je m'abonne d'abord chez toi. Voilà, je me suis abonné chez toi. Et j'étais déjà abonné. Déjà abonné en plus, hein. Oui, j'étais déjà abonné. Les gars, on joue. Bon, les gars, est-ce qu'on peut tapoter, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager, tapoter le live, s'il vous plaît? Comme ça, au moins, on appelle des gens pour nous aider. Vous êtes combien dans ton live? Vous êtes beaucoup, ah oui, vous. Défi de vitesse, les gars. Défi de vitesse. Oui, deux roses à famille. Deux roses à famille. Sûrement, avec des conditions, normalement. Ben oui. Mais moi, la troisième femme, tu vas me donner de l'argent ou c'est quoi, en fait, le projet des trois? Parce que j'ai beaucoup d'hectares, j'ai beaucoup de champs au pays. Tu as beaucoup de? De champs, de plantations au pays. Donc, il me faut beaucoup d'enfants pour cultiver, pour faire la terre. Donc, ce n'est pas vraiment... La première femme me fait 7 enfants. La deuxième femme me fait 6 enfants. Mais toi, comme il n'y a pas trop les femmes blanches... Non, mais moi, j'ai déjà beaucoup d'enfants. Alors, c'est compliqué. Moi, j'ai déjà 4. Ah non, c'est pas grave. Oh, 4 même, c'est bon. C'est pas grave. Ok. Une femme qui a les enfants chez nous, c'est une femme qui porte le bonheur. Voilà. En plus, elle est... Non, John, je n'ai pas dit que va aussi. Ouais, John, vous ne pouvez pas avoir une belle femme quelque part. Les Africains aiment draguer, c'est pas possible. Je suis sûr qu'actuellement, ils sont en train de s'abonner sur ton compte. Moi, j'ai un sale caractère, moi. Ça va pas le faire. Je suis vraiment. Caractère, c'est pire que.
Mais, africaine, moi. Bon, ma chérie, on va se voir le jour où tu n'as pas un sale caractère. Si tu n'as pas un sale caractère, c'est le jeudi... C'est pire qu'une africaine. Tes deux autres femmes, elles vont partir, elles vont t'abandonner. Je vais rester là seule, tu verras. Non, au début, comme chaque femme habite chez elle. Donc, au début d'abord, pendant que tu es encore bien, tu es là. Mais à partir du moment où je vois que, bon, il y a déjà un peu... Les gars, c'est le foie... Elles vont fuir, je suis folle.